Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le 30 juin et on va faire le tirage au sort pour mon concours des 500 abonnés. Alors, j'ai bien reçu la participation de Ariel. Voilà, sa petite enveloppe, elle est là. Alors, on va procéder tout de suite au tirage au sort et je vais ouvrir l'enveloppe de Ariel. Voilà, donc on va ouvrir la participation de Ariel. Donc je le fais comme ça parce que il y a mon adresse qui est derrière. Donc comme ça, hop. Comme d'habitude, je n'ai pas de cutter, donc je vais couper. Voilà, j'enlève le papier. Voilà. Et donc, je vais ouvrir. Alors, il y a une petite. Alors, je regarde toujours dedans parce que je suis la spécialiste qui oublie des trucs dessus. Voilà, donc c'est des petits enfants. Ah, j'en ai fait tomber un là. Voilà. Alors, je suppose que ça va être le style vintage. Ah, ben oui, voilà. Alors, c'est. Petite découpe des petits enfants comme j'aime bien là, c'est mignon comme tout. Voilà, alors la musique vintage dans les couleurs sépia, c'est vraiment très 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 joli, j'aime beaucoup avec cette jolie découpe. Merci. Donc je regarde son petit mot. Longue vie à ta chaîne et vivement les 1000. Ah oui, ben ça ça, je peux te dire que moi aussi, j'adorerais parce que, en fait, on pourrait faire des lives. Parce que sur YouTube, tant qu'on n'a pas 1000 abonnés, on ne peut pas faire, on peut pas faire de live. Donc, j'ai hâte d'en avoir 1000 et qu'on puisse, comme ça, pour un petit peu, un petit peu discuter en direct. Eh bien, très, très jolie carte. Tout dans le style comme j'aime. Hein, c'est super, super mignon. Et alors, avec une partition. Avec par exemple le prélude de Bach. Alors tout ça, ben, cette jolie partition, je vais la donner à Mathias parce que Mathias joue du piano et il sera ravi de jouer ces petits morceaux. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi pour ta participation et puis merci pour Mathias aussi parce que ça va lui faire très très plaisir. Voilà. Donc on va procéder au tirage au sort, donc il y en a bien 8, hein. 2, 4, 6 et 8. Voilà. Donc, je les mélange. Oula, pardon. Alors je vais en au sort. Alors c'est Janine F, numéro 4. Voilà. Et alors, je remélange, voilà, hop, comme ça, et voilà, celle-ci, hop. Eh bien, c'est Samantha, dans le 77, et c'est le numéro 5, voilà. Eh bien, Samantha et Janine, félicitations. Alors, Janine, tu auras le lot numéro 1 et Samantha le lot numéro 2. Mais enfin, à quelque chose près, c'est les mêmes. Voilà. Ils sont déjà prêts. Oui, je les ai à côté de moi, là. Je vais les envoyer, je pense, demain, juste avant de partir, parce que je ne vais pas vous faire attendre un mois que je revienne de vacances. Et puis, ben, donc, je vous ferai des petits coucous de temps en temps de ma maison à Ansfès, la Redonne, à côté de Marseille. Et puis, juste comme ça, pour faire des petits coucous. Je vais peut-être quand même vous remontrer les lots. Sais pas, les colis sont déjà faits. C'est pas grave, je vais les faire. Vous montrer quand même un petit peu ce que vous avez gagné. Alors ça c'est le, ça c'est le, alors c'est pas celui-là.
Voilà, ça c'est le lot numéro 1. Donc, je vais tout vous montrer. Alors, il y avait donc ça, c'est des pochoirs de chez Stamperia. Vous voyez, c'est pour faire ça. Ça, c'est pour faire des cartes toutes prêtes de chez Stampin' Up. Là, c'est du papier donc de chez Stampin' Up aussi, qui est la série. Boum, 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 la série Champ de fleurs. Voilà. Et donc, un autre des tampons, pareil, de chez Stampin' Up. Je mets un petit carnet que j'ai fait comme ceci avec du papier de chez Stampin' Up aussi. Là, il y en a, c'est des portes post-it. Et alors, j'en avais mis deux de petites cartes. Il y avait des petites choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille un petit peu. On ne voit pas bien. Et alors, dans le petit paquet, là, j'avais mis alors des petits nœuds, des petits mots sur des petits morceaux de bois. Ça, c'est des petites choses pour faire des cartes pour les bébés. Des fleurs. Ça, c'est des petites franges, vous savez, pour faire des petits sacs ou des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est un cadre. Ça, c'est encore des petites choses à coller pour faire des cartes. Là aussi. Voilà. Là. Voilà. Et j'avais mis des petits bijoux comme ça, là. Et des petites épingles. Voilà, ça c'est pour le... Ça c'est le lot numéro 1. Voilà, donc je vais remettre tout dedans. Et je vais vous montrer le lot numéro 2. Donc là, à nouveau un petit porte-post-it. Là, c'est pareil, encore un petit carnet. Je vais vous montrer celui-ci, ces petites choses que j'avais faites. C'est un porte-post-it avec des petites choses en couleur et un petit crayon. Là, c'en est un autre pareil, comme ça. Voilà. Les tampons de chez Stampin' Up. Pour faire les cartes aussi, donc j'en avais mis deux, et le papier de chez Stampin' Up qui s'appelle fleurs en papier. Voilà, et donc dans la boîte, j'avais mis des petites choses dedans aussi. Voilà, donc il y a aussi des fleurs comme ceci, là, les petites franges aussi. Voilà. Et tout ça dans la petite boîte. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous fera plaisir. Moi, en tout cas, j'étais ravie de faire ce petit concours. Et puis maintenant, là, on va attendre les 1000 abonnés. Et puis comme ça, on se retrouvera un petit peu en direct, ce qui sera super sympa, je trouve. Voilà. Et puis, s'il y a des personnes qui partent en vacances, eh bien, je leur souhaite de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve au mois d'août. Voilà, je vous fais de très, très gros bisous. Félicitations encore à Janine et à Samantha. Et puis, à très vite. Ciao, ciao !